m'appelle Audrey. Et je suis Félix-Antoine. Audrey, Félix-Antoine et moi-même avons chacun réalisé un stage dans le cadre du programme de stages internationaux pour les jeunes, le PSIJ. Mon stage s'est réalisé en Zambie, dans un centre financier aux entrepreneurs, puis j'y ai traité d'enjeux auxquels je n'aurais jamais été confronté si j'étais resté au Québec dans un poste d'entrée. Aujourd'hui, je travaille en Haïti pour DID toujours, au sein d'un projet d'envergure en crédit agricole. Le stage en finance et comptabilité que j'ai fait en 2015 m'a permis d'arrimer mon expertise comptable au contexte spécifique du développement international. D'ailleurs, quelques semaines avant la fin de mon stage, un second mandat m'a été proposé. Réaliser un stage de 6 mois en Haïti dans le cadre du programme de jeunes stagiaires internationaux m'a permis de mettre en pratique la théorie apprise à l'université en gestion de projet dans un contexte de développement international. Pendant mon stage, mes superviseurs ont été des mentors, chacun à leur façon. Ils m'ont sensibilisé sur l'intégrité, l'éthique au travail, la rigueur, tout en me permettant d'apprendre leur forte aptitude de gestion. Ce stage PSIJ en Haïti m'a complètement sorti de ma zone de confort. Découvrir l'inconnu, une nouvelle culture, de travailler avec de nouveaux collègues haïtiens et canadiens. J'ai même appris un peu de créole. Moi, j'apprends quelques petits mots créoles. Accueillir des stagiaires internationaux conduit toujours à un enrichissement mutuel, autant au niveau professionnel que culturel. Ce sont des expériences uniques qui m'ont permis d'enrichir mon parcours professionnel et qui m'ont permis de découvrir une nouvelle facette de mon métier. Après mon séjour en Zambie, DID m'a offert un poste permanent au siège social à Lévis. Le PSIJ, c'est la porte d'entrée pour démarrer une carrière en développement international.